Bonjour, mon nom est Olivier Sylvestre et je vous parle au terme d'une résidence de 3 semaines qui se termine ce jour-ci, qui culmine avec la lecture publique qu'on va faire ce soir des extraits des pièces qu'on a écrites ici en résidence à l'Auberge du Manche-Grenouille au Bic, donc juste à côté de Rimouski. On a été traités ici comme des rois pendant 3 semaines, grâce au CEAD et à tous les partenaires que ça prend, j'imagine, pour financer ce type de résidence-là. Être en résidence pour un auteur dramatique, c'est ben, pour un auteur point, c'est une occasion extraordinaire d'être retiré de son quotidien pour pouvoir écrire. Puis se faire l'horaire qu'on veut, manger quand on veut, puis faire tout ce qu'on veut, mais en étant dans un cadre magnifique, puis en étant encadré par, entre autres, Paul Lefebvre et Suzanne Lebeau. Donc, c'était vraiment extraordinaire. J'ai écrit donc une nouvelle pièce pour enfants qui s'intitule Dans la forêt disparue, qui met en scène 3 personnages, 2 enfants, Val et Holly, qui se rencontre à Laval dans les années 80, et grand-papa, qui est mon grand-papa Marcel, qui en fait on parle donc de la fin de sa vie et de la fin qui est en parallèle avec la fin d'une forêt en fait qu'on va détruire pour faire place à des maisons de ville, un nouveau développement à Laval, donc c'est dans ce temps-là. Et là donc voilà, j'en suis arrivé à une première version de cette pièce-là, mine de rien. Et puis voilà, je remercie le CEAD de m'avoir offert cette opportunité-là incroyable, avec des collègues auteurs en résidence aussi qui étaient absolument formidables. On a eu bien du fun, on a mangé comme des porcs, et puis on a fait la fête, et puis ça a été super.